passes. I just need to find a way to open the cage first. Ok. Allez, on est reparti. Hop là, donc, salut à tous. Re-salut à tous, c'est Darks. On se retrouve tout simplement tout de suite derrière la précédente vidéo pour la suite et sûrement pas loin de la fin du l'excellent jeu Max The Curse of Brotherhood. Alors attendez deux secondes, je ferme la porte. Hop, voilà, comme ça on va être plus tranquille. Ouais, je me pose. La capture est bonne, le son aussi. Allez, on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va sûrement, durant ce niveau, donc, avant toute chose, titre du niveau, on va faire les choses dans l'ordre. C'est beaucoup mieux, comme ça vous savez ce que je fais. Donc, évasion, c'est le titre du niveau, 4 œils maléfiques et un secret, comme d'habitude. Ok. Donc, on a libéré notre frangin qui se trouve actuellement dans la petite bouboule ici, là, où il y a Max, là où il est dessus. Hop là, la bouboule. On peut faire tout et n'importe quoi avec la bouboule. Hop là. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là, ok. Alors ça, sûrement, on peut y apprendre. Autant s'entraîner tout de suite, je suis sûr que sur la lave, ça va nous servir, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Faire le funambule, en fait, en quelque sorte, le funambule sur la bouboule. Allez, on fait rouler tout ça. Ok, merde. Ah. Donc moi je pense qu'il vaut mieux éviter de mettre la boue directement dans la lave, que sinon notre frangin risque d'avoir quelques soucis. Pas d'œil. Alors attendez, est-ce que nous avons des yeux? Des yeux par ici. Que dalle, c'est tout bon. Allez, on poursuit. Hop 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 hop. Putain, il est encore attaché dans la boue, c'est impressionnant. Et avoir la gerbe, le Julien, le Julot là. Voilà. Allez, venez. Hop, allez. Ah merde, ça n'y a plus. Merde, pourquoi ça l'a plus mis? Salaud. Enflure. Ah, vous avez cru que vous allez m'avoir là, vous y aviez cru hein. Alors nous on va monter là-dessus, sur la boule. On va faire ceci. Pas de neuil. Donc la boule se déplace toute seule, c'est impeccable. Ok, alors. Je pense que la boule. Est-ce que ça c'est de la liane? C'est quoi? Ouais, ok. Est-ce que je peux attacher la liane à la boule? Oh putain! Oh putain! Ah! Oh putain! Qu'on a en dessus là, j'ai pas le temps de voir, j'ai pas le temps, mince. Je peux pas aller. Ah, pas se presser, surtout pas. Putain, faut se trimballer la boule tout le long quoi. Oh là 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 là. Alors, on va la pousser parce que j'ai pas envie de faire une connerie. On va déjà. Hop, ok, viens ici. Ne fais pas de frayeur. On va développer, enfin développer. Est-ce que ça va si je fais ça? Putain, ok, ça l'arrête là. Putain. J'espère vraiment ne pas louper d'œil, hein. Putain. C'est vraiment ce qui m'emmerderait le plus. Hein. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'est le cas quoi. Là, ça fait quoi là? Oh oh, oh oh. On vient de perdre votre frangin là. Ok, il faut sûrement. Ok, d'accord. Ceci est comme ça. Allez. Donc nous, ouais, on va rester dessus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de risque de la. Allez, roule. Allez. Allez, je file. Et elle me rejoint après, Oh, la faille filer dans la lave. Alors, observons, avant toute chose, observons le plafond. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'œil au plafond, mais je suis sûr qu'il va y en avoir un d'ici peu. J'en suis quasiment sûr.
Oh là là, putain. Vous croyez ce que je crois là en fait? Le truc c'est que je suis sûr que la boule, il faut que je la soulève un peu. Et qu'au même moment je l'attache à la... Ok. Oh, oh là là, que je suis bon, putain. Oh, que je suis bon. I'm the best. I am the best, les gars. Bon, là, on va faire pareil pour nous cette fois-ci. Ah, c'est décroché. Putain, c'est décroché. Voilà. Alors là. Putain, toujours pas d'œil, hein. Là, ça me fait souci. Ça me fait souci. Alors là, par contre, est-ce que je peux. Putain, pas. Putain. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Il faut faire. Voilà. Putain, heureusement que je crève pas, hein. Oula. Ouh là 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 là. Oh, putain, on a du lourd là. On a du lourd. Alors, à droite, c'est-à-dire ici, nous avons un œil caché là-dessous. Donc, premier objectif, aller chercher cet œil. Rien d'autre. Bon là, on a le même système. Je pense que... Je pense qu'avec les... avec ces cornes, il va falloir attacher. Ok, comme ça. Si tu veux. Et on va faire descendre. Et ça, franchement, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, je peux vous dire, ça vient tout seul, quoi, en fait. Ça vient tout seul, le truc. C'est inné, quoi. On prend tellement l'habitude d'y jouer qu'on sait ce qu'il faut faire, quoi. Voilà, moi, je sais. Je n'ai encore pas fait ce niveau. Hein. Je le découvre en même temps que vous. Hop. Petite statue de Moustacho, je pense. Enfin, au fond de l'écran. Alors, maintenant, on fait ça. On va aller là. Là. Hop, comme ça. Là. Oh putain! Oh putain, c'est moi qui crève. Oh non, putain, j'étais si bon. C'était parfait ce que j'avais fait. Bon, l'œil à droite est ramassé. Pas besoin de retourner dans le coin. Hop, je fais ci, je fais ça, je saute. Bip. Putain, je fais tellement bien les choses que c'est moi qui crève. Merde. Allez. Hop. Là. Ok, je peux là, j'ai le droit. Sans crever si possible. Putain. Ah, je fais mal les trucs. Là, je fais mal les choses. J'avais attaqué à bien jouer. Et là, je commence à faire de la merde. C'est le mot qu'il faut. À faire de la merde. Si je fais de la merde, ça va pas y aller là. Ça va pas le faire. Ça va m'énerver. Voilà. Là, comme ça, les moins. J'espère que c'est bon. Voilà. Putain, allez, reste dessus. Putain, c'est hot. Oh. Alors, voyons voir. Est-ce que nous avons autre chose à ramasser? Non, ça m'a l'air bon. Là, on reste ici. Voilà. Là, je coupe ça. Ok. Là, je coupe ça. Il sort d'où? Putain, non! Qu'est-ce qu'ils font? Oh
moi, vous pouvez y aller, ça m'embête pas. Hein. Ça m'embête pas du tout. Voilà, là on fait ça. Là je vais sur le coup. C'est là si je m'en débarrasse. Bon, ok. À mon avis, si vous voulez savoir, je suis persuadé qu'avec ces trois types, il y avait un succès à faire en les tuant et tous les trois d'un coup. Team Strike. J'en suis intimement persuadé. Ok, c'est bon. J'espère qu'Ago, je n'ai rien oublié. Normalement, c'est tout bon. Donc, là, on peut redescendre. Voilà. Là, on va éviter de trop... d'aller trop vite avec la boule de frangin. J'ai eu un freeze. Ah, un œil au-dessus là, si tu veux. Là, je pense, pareil, il faut utiliser la bouboule. Est-ce que je peux la tirer? Non, elle va pas jusqu'à là. Ok. Donc, il faut que je me serve, je pense, de la boule pour avoir accès à l'œil ici présent. Allez, tu viens là, tu fais quoi? Tu descends? Attends quoi là? Allez. Là, je tire ça. Voilà. Là, je prends de l'élan. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès? Ouais, c'est bon. Allez hop, et ici. Oui, c'est bon. Tous les yeux sont ramassés dans l'ordre pour le moment. Maintenant, est-ce que je peux grimper à la grille comme ça? Non, ce n'est pas possible. Ok, donc je pense qu'il faut recommencer à se suspendre à la corde. Ah putain, ici! Parti où là? Allez, on se balance. Hop là, splendide. Avant d'ouvrir la porte, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres dangers. Ça m'a l'air bon. Je pense que là, la boule va prendre de la vitesse, va défoncer le portail en dessous. Donc je vais devoir déployer ça. Voilà, comme ça. Et... ah non, en fait, ça ne défonce rien du tout. Je suis obligé de défoncer avec ça. Eh oui. Eh oui. Ok, d'accord, si tu veux. Avons-nous des yeux dans le coin? Ça m'a pas l'air. Alors, est-ce par contre, j'espère que je peux passer ici, là. J'espère que cette espèce de truc, je peux passer. On verra. Allez, je vais ouvrir la porte. On va voir ce que ça nous réserve. Et je ne peux pas passer. C'est super. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Vilain. Tais-toi donc, vilain. Ouais, mais comment j'ouvre la porte, là? Mince. Mince. Ah, bah c'est bon. Bah si, c'est bon. J'ai des conneries. Oh putain, non, c'est pas bon, en fait. Ok. Ok. Ouais, et là après je fais comment pour passer là-bas? Ah ok, faut sûrement que j'aille où il y a l'autre vilain. Ok, d'accord. Ça, je pense. Là, je suis bon. Là. Ouais, c'est alright. Alright. Allez, on poursuit. Qu'avons-nous à l'extrême droite? Ok. Ouais, je pense savoir ce qu'on va faire. Ça, comme ça. Comme ça, la boule. Je vous explique. Je vais ouvrir la porte
La boule va rouler, elle va arriver ici. L'espèce de truc flipper là. Ouais, espèce de flipper. On va l'expédier là. Hop. Ma branche va le retenir, va l'envoyer ici et va ouvrir la porte. Ce qui me permettra d'ouvrir, de passer quelque part, je pense. Allez, on va essayer. On va présenter tout ça. Voilà. T'as vraiment, c'est excellent ce jeu. Excellent. De l'excellent travail de la part des développeurs. Tout simplement. Alors par contre, je pensais à quelque chose. Ah, est-ce que à des coups... Est-ce que à des coups en dessus, c'est-à-dire en haut là, il n'y avait pas un œil ou quelque chose? Ouais, je suis en train d'y penser maintenant là. J'espère ne pas m'être fait enfler. On sera fixé. Alors moi, je vais quand même passer par ici. Ah, 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 regardez, un œil en dessus. Ok, nous avons un œil. Donc c'est super. Ok, voilà, bon, c'est tout con maintenant. Hein. C'est vraiment, c'est simple comme bonjour, hein, une fois qu'on a compris le... Ah, simple, voilà. Putain... Ouh, ça m'énerve. Allez, on va le refaire. On va le refaire parce que là, il est en train de m'énerver légèrement. Là. Voilà, comme ça. Hop. Allez, monte. Allez. On retient la corde pour permettre à Max de monter. Et on chope le troisième œil de ce niveau. Excellent. Par contre, le secret, toujours rien. Hein. Ça me plaît un peu moins. Sachant que le secret, c'est vraiment le plus dur à trouver, quoi. Allez, on poursuit. Là, on en a terminé. Ok, ok. Je préfère passer derrière si c'est possible. Non, c'est pas possible. Ok. Tant pis, je reste devant. Putain, le frangin, regardez-le. Regardez-le. Il dort la gerbe hein, depuis un moment là. Oh là là. Oh putain, il y en a encore un con qui lui jette des... Oh, ça va me saouler. Oh non. Alors là, si j'arrive à trouver du premier coup ce qu'il faut faire... Oh putain! Il y en a deux, il y en a un à droite et un à gauche, ok, ils sont deux ces enfoirés. Oh oh! Ah, attendez! Putain l'enfoiré! Il les jette bien. Il les jette très bien même. Alors attendez. Faut que je réfléchisse deux secondes là. Ah, je remets les gleux avec le micro. Nous avons deux méchants. Le méchant de gauche a une porte, un espèce de mur de pierre à casser derrière lui. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir me débarrasser déjà de ces méchants. Et lui, il arrive suffisamment à acheter ses trucs pour me... Putain, ouais, là, je suis emmerdé, là. Lui, tu me fais chier, et toi, tu me fais chier, tout simplement. Putain, j'ai bien crevé avec ces putains de grenades, là. J'ai du mal à voir ce qu'il faille faire. Faut que j'essaye d'ensorceler cette branche là. Alors on va faire ça, on va rouler, on va couper. Oh oh ah. Putain, c'est des enfoirés hein. Oh putain.
Ah, j'ai compris. C'est avec la plateforme que je vais les... Alors putain, je prends des risques là par contre. Je prends vraiment des risques. Non ! Putain, mais qu'est-ce qui m'énerve ces trucs là ? Putain, mon dieu, ce qui me prend la tête. Putain... Allez ! Putain, il vise bien. Putain. Oh, que c'est casse-pied. Un seul, je dis, c'est déjà cher, mais alors deux, là, c'est limite impossible, quoi. Putain, allez vite. Là, j'ai réussi à mettre. J'ai réussi à mettre. Ouais, ça, c'est du tout bon, ça. Putain. Allez, viens pas me gonfler. Tiens, on va faire dodo. Merde. Et tiens, on va faire dodo. Allez. Voilà, ça c'est fait. Ok. Ok, ok. Alors, est-ce que nous avons quelque chose à ramasser? Je suis sûr, vous allez voir, j'ai encore me faire avoir comme dans la précédente vidéo pour les pour le passage. J'ai oublié, le jeu va me faire oublier les... Je m'en fous. Je pense que le vrai passage est ici, on est d'accord. Faut que j'aille avec la boule, donc logiquement c'est à droite. Donc à gauche. À gauche, il se peut que j'ai... Ah, mais comment y aller là-bas? Mais non. Comment aller à gauche là-bas? Ouais, mais si je monte pas dessus, si je ne monte pas dessus, je vais avoir des difficultés pour aller là, accéder en haut. Ok, allez. Là, je pense que je suis pas vilain, là. Ouais, c'est bon. Hein? Non. C'est quoi cette bins, là? Pourquoi je peux pas monter, là? Alors là, est-ce que c'est un bug ou je vois que la pierre bouge là? Est-ce que c'est un bug ou... Je suis sûr, il y a un truc là-bas, on a un œil ou le secret là-bas. Hein. Mais pourquoi je peux pas y accéder? Ah bah ça c'est la meilleure celle-là. Ça c'est la meilleure de toutes. Putain, j'ai pas de bol ou quoi là? Allez, chope là, putain. Voilà. Putain, mais tu vas grimper là? Putain, d'habitude il grimpe, c'est genre ce genre de truc là. Oh non, je suis sûr que j'ai affaire à un bug là. J'ai la pierre qui en fait qui m'empêche de d'agripper. Ah, ça y est. Mais oui, c'est bien un bug. Un magnifique bug même. Hein. À cause de ce caillou là. Allez, on a le secret. Ouf. Another piece. Well done. Allez, plus que deux morceaux. Trois morceaux même. Et oui, ce caillou m'empêche. Cette brique m'empêchait d'accéder. Ah là là, je vous jure. Entre les freezes tout à l'heure. Et maintenant ce bug avec ce caillou. Ah oui, donc. Donc j'ai oublié une chose. Si je vais pas chercher mon frangin, j'aurai des difficultés là. Hop. Allez, on met ça ici, on tire. Oh.
Allez, viens. Donc, ah, attendez, en dessus, il n'y a rien d'autre. Hein. En dessus, là. Ouh là là, ça m'intéresse, en dessus, là. Ouais, pousser un peu. Allez, monte. Ici, il n'y a rien, là. Ok, il n'y a rien du tout, si tu veux. Allez. D'accord, d'accord. Oh, va pas trop vite là. Piano, piano. Voir à gauche ici. Que dalle, c'est tout bon. Hop, ici. Alors, cette petite salle. Nouvelle salle. Donc, nous avons un jet. Logique, hein. Hop. Normalement, il ne va pas y avoir de soucis. Moi, j'y vais déjà. Ça, je suis tranquille. On va. Hop, action. Le frangin n'est pas content. C'est super. Ok, alright. Putain, hop, dans un moment on va tomber contre une statue, vous allez voir. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, les gars. Putain, là c'est du flipper. Hein. C'est vraiment du flipper, hein, le truc. Hein. Alors ici, est-ce que... il nous reste donc un œil. Est-ce que nous avons un œil dans cette salle? A priori, non. À première vue, non. Ça m'a l'air bon. Alors, ok, si tu veux. Notre but, c'est d'aller ici. On va amener la boule ici. Ok, je vois le truc. Et ça, ça me sert à quoi, ça? Ça va sûrement à la suspendre. Ok. Ok, d'accord, voilà. Hop, on l'a. Avec la boule, avec notre engin, on va utiliser sa boule de métal pour défoncer la porte en bois ici. Ah merde. Merde. Allez, retourne-y. Ah bah c'est bon. Putain, il y allait tout seul, il y allait tout seul là. Là, ça doit être bon, là. Regardez. Sorry, Félix. Ok, merveilleux. Désolé, Félix, mais tu nous as bien servi. Hein. Donc, je suppose que dans cette salle, il n'y a rien à ramasser. Hein, on va dire ça comme ça. Ok, bon. Chapitre terminé. Disparu en lave. Eh ben, on va se quitter ici. J'ai des étirements là. Oh. Voilà. Should I thank you for your help, Max? See you never. Uh-oh. No. Ok. Là, c'est un secret. Allez. Bon les gars. On va se quitter ici, comme vous pouvez le voir, prochain niveau, disparu en lave, aucun œil à ramasser, et j'ai oublié un œil dans ce niveau. Ça fait quand même 4 yeux oubliés en 2 niveaux, ça m'embête un peu. Donc, bah, comme d'habitude, hein, je vous mettrai un petit post-it pour vous expliquer où est-ce qu'il est. J'en suis désolé. J'en suis désolé, c'est comme ça. Allez les gars. Je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, comme d'habitude. Et puis, bah, nous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite et sûrement pour la fin de
l'aventure de Curse, de Max, The Curse of Brotherhood. Dans l'ordre, c'est mieux. Allez, les gars. Bye bye. Et à la prochaine. Salut.